C'est bon, fais pas attention. Voici Hunter Steinitz. Tape-la, mon pote. Elle a 14 ans et vit avec sa famille à Pittsburgh, en Pennsylvanie. C'est une jeune fille pleine d'entrain qui aime jouer à des jeux de rôle avec ses amis. Elle est aussi première de sa classe. Mais quelque chose la distingue des autres adolescents, sa peau. Je souffre d'ictiose arlequin. C'est une maladie génétique de la peau. Ma peau ne se désquame pas assez vite. Lorsque la peau de Hunter se régénère, son corps n'élimine pas les cellules mortes suffisamment vite. La jeune fille est donc recouverte de plaques sèches, dures et enflammées, qui déforment son visage. Ma peau est très dure. Souvent, des sortes d'écailles se détachent et restent collées à ma peau parce qu'elle est sèche. Si vous frottez la paume de votre main contre la mienne, vous allez sentir qu'elle est rugueuse, comme du papier de verre. À cause de sa peau sèche et fissurée, Hunter est davantage sujette aux infections mortelles. Et malheureusement pour elle, sa maladie est l'une des dermatoses les plus mystérieuses qui soient. La peau est constituée de trois couches. La plus profonde s'appelle l'hypoderme. La couche superficielle est l'épiderme et entre les deux se trouve le derme. Il contient des vaisseaux sanguins, des nerfs, des récepteurs sensoriels, ainsi que des glandes sébacées et sudoripares. C'est dans la couche basale de l'épiderme que se forment les nouvelles cellules cutanées. Elles se divisent et migrent vers la surface de la peau. En arrivant à la surface, elles meurent et contribuent ainsi à former une barrière protectrice contre l'extérieur, pratiquement imperméable et très résistante aux infections. Ce rempart se régénère en permanence grâce à des milliers de cellules mortes qui tombent et de nouvelles cellules qui arrivent à la surface à chaque instant. Tel un mur de briques, cette barrière est constituée de cellules cutanées et d'une substance graisseuse qui permet de les lier entre elles, les lipides. En temps normal, la plupart des lipides sont formés dans les cellules de la couche intermédiaire de l'épiderme. Une protéine les aide ensuite à migrer dans l'espace situé entre les cellules, où elles jouent leur rôle de ciment, contribuant à protéger le corps des agressions extérieures.